Étranger, diplomate, colombien. C'est étrange. Voilà une autre migrationniste de Passy. T'arrêtes de taper tout le monde, toi. Gracias. Bref, on a réussi à passer la migrationniste alors qu'on n'avait même pas fait le formulaire d'immigration de base. On l'a fait là en deux speeds dans la file. On m'a redemandé un vaccin Covid. Voilà. Mais bon, j'étais pas sereine, hein, j'avoue. J'étais assez étonnée parce que je pensais que c'était terminé finalement. KFC. Miel frites. Avec de la sauce au miel. Inédit. Dans notre superbe chambre à Bogota. On va faire un gros roupillon. Et toi, à chaque fois qu'on mange le fast food, tu les fais. Mais non, je fais aussi quand on va au resto. Dans un nouvel épisode. Quel de cette nuit? Et bien évidemment, trouver le Starbucks. Ça va Bogota hein, finalement? C'est pas craigneux, je trouve. On s'y sent bien. C'est bien chez un quartier quoi. Je fais pas les petits déjolis, mais je fais les Starbucks au lit moi. C'est moi, tu peux m'ouvrir? Ah, il n'y a pas de soucis, tout le monde parle français. C'est bon, on a la chambre, on est plus. Tiens. What? T'as le Starbucks? Il est juste à côté. Putain, j'ai chier, je vais me brosser les dents. C'est pas grave, merci. Mon ami. T'as pris un café comment? Americana, comme t'aimes. Parfait. C'est tout bien rangé, c'est tout. Donc. Un train pendant 18 heures ouais. Pour aller à Palouine. À Barranquilla. Putain, c'est ouf. Parce qu'en fait, la Colombie, c'est méga grande, c'est pas rendu compte. Faudrait qu'on aille à la terminal, le salitre. Pour acheter les billets. Ouais, pour demander si c'est bien les bons prix et tout ça. Putain, mais 18 heures, genre, il part à quelle heure on arrive à quelle heure? Oh, les horaires, c'est un peu casse-couille. Mais... Ah ouais? Toi, tu pars le matin, tu arrives la nuit. Il y en a, c'est 23 heures. Ouais, faut qu'on aille voir à la gare, quoi. Faut y aller direct. Ouais, mais ça arrête pas de bugger internet. Moi, genre, je peux rien faire avec. Bon, bah, du coup, on va se renseigner pour le train. Et on va aller voir aussi pour mon ordi aujourd'hui. Et je suis toujours sourde de cette oreille. C'est très particulier parce que quand je suis dans la rue, et ben, j'entends rien. Du coup, je me sens un peu bizarre. Ouais, ça va être drôle. Ouais, bah, tu te sens un peu. Hein. Tu te sens pas en sécurité, t'entends pas tout, quoi. La fesse droite, toi c'est la fesse gauche. Comme ça on pourra les coller l'une à l'autre et ça fera fusion. Du coup il y a des flash tattoo dans le bar et on a pris rendez-vous à 7h. Ça coûte que 25€ et du coup je vais me faire enfin tatouer mon papillon. Je l'ai voulu depuis longtemps, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont, ça m'embête un peu mais ça a une bonne signification. En tout cas pour moi c'est une bonne signification. Et Victor lui veut se faire tatouer une spirale. Donc voilà, je vous suivrai ça tout à l'heure. Ah oui, du coup on a été voir pour le Mac et ils peuvent le réparer ici, ça a l'air vraiment sérieux. Ils le garderaient 10 jours et il y en aurait pour 787$, ça fait un peu mal au cul mais on va essayer de faire marcher les assurances comme ça. À 3. Donc normalement pour mi-février ça pourrait être réparé donc en vrai il devrait se passer que 2 ou 3 semaines sans vidéo si tout va. Dans les doigts. Prêt à te faire tatouer. Oh, ça fait pas mal à cet endroit-là. Non, ça. Wow. Là, il y a
dimanche à Bogotá. Il y a du monde qui est sorti. C'était la course au Starbucks. Je vais ramener ça. Mission Starbucks. Airbnb vraiment pas cher, 56€ pour 4 nuits, alors que j'ai payé 60€ pour 2 nuits à l'hôtel. Ici chou-fleur, tempura, graines de sésame, frites, sauce barbecue. Et aussi premier verre de vin, qui est franchement pas mal, vraiment bon. Et on essaye de se remettre à la plus manger de fromage, parce que pendant 2 semaines on a un peu fait des écarts. Et du coup on a testé ça, voilà, c'est au chou-fleur. C'est pas trop mal, mais en même temps c'est pas le truc du siècle. Donc on va continuer les recherches sur la bouffe vegan, ou en tout cas qui utilise pas trop de fromage, etc. On verra ce que ça donne. On vous tient au jus. Faut qu'on s'en souvienne. Tu peux répéter ça? Allez, on écrit. Nous prend des cours avec on, et on s'enrichit de nous. C'était ça? C'est ça. Ah, on lissonne sérieux là. L'hôtel Viré Park. On prend Uber direction le Airbnb. Ça a l'air vraiment chouette, je vous dirai une fois qu'on sera arrivé. Mais en tout cas, cet hôtel à Bogota, vraiment, il est dans un quartier safe. Nous, on avait entendu plein de mal, entre guillemets, de Bogota, comme quoi c'était vraiment pas sécurité du tout, c'était dangereux et tout. Et en fait, franchement, c'était dans le bon quartier, c'est nickel. On n'avait pas du tout peur de sortir le soir, trop bien. Et l'hôtel, c'était 28€ la nuit, mais bon, voilà, c'est un bel hôtel, quoi, donc ça vaut le coup. Là, on va faire plus d'économies parce que le Airbnb, il est qu'à 12€ la nuit, donc pour 4 nuits, 56€, donc c'est beaucoup mieux. Voilà, on y va. Ça, c'est du colimas. Mais c'est tout petit. C'est méga dangereux. Comment? Tu te tiens. Ah bon, c'est pas, c'est pour être là, c'est pour être plus haut. Si, si. Ouais, d'accord. Il y a des fringues suspendues, hyper flippant. Si, si. Attends, on va lui envoyer un message. Ok, donc on vient d'arriver dans le Airbnb qui a l'air pas mal du tout. C'est tout petit, mais c'est ultra suffisant pour ce qu'on a besoin. Donc là, on a une douche. Tuck. Donc avec un toilette dedans. Bon, il y a de l'eau chaude. Ça me rappelle beaucoup. Les trucs du Pérou, c'est approximatif, faut surtout pas mettre les doigts. Mais en général, ça fonctionne, c'est juste que pour avoir de l'eau chaude, il faut laisser un petit filet d'eau. Après, il y a gazinière, frigo, nickel. Et par contre, c'est trop marrant, pour aller à la mezzanine, c'est un escabeau. Faut faire attention, quoi. Puis bah, la mezzanine, c'est un matelas sur le sol, mais je pense que ça fera l'affaire, honnêtement. On n'est pas chichiteux, nous, de toute façon. Donc voilà, je pense que c'est nickel. Et puis bah, y a une terrasse qui est quand même assez agréable. Tu la compras sur internet? Si. Si. Ok, bon. Tengo. Allez, parfait. Listo, entonces ya le expliqué. Donc voilà, petite terrasse avec machine à laver. Nickel. Los días hasta ahora hace eso. Bueno, tengo 5 días quedándome aquí y hace eso. Wow. Triste. Es loco, ¿por qué triste? Porque quiere que lo bajen. Ah, sí. Y lo tienen allá arriba. O puede extrañar a su dueño, ¿sabes? On vient de manger et je fais les comptes vite fait. Et tout à l'heure, on a été faire des petites courses. C'est un truc de fruits et légumes en bas. C'est vraiment juste en bas du Airbnb. Bon, ça, c'est cool. Il y a la boulangerie, l'épicerie, le marché. Fruits et légumes, plus boucherie, enfin il y a tout. J'ai acheté des épinards, 2 carottes, une tomate, un avocat, des petits pois. Quoi d'autre? Des pommes. Non, les pommes, on les avait déjà. Et une betterave. Et le tout, ça m'a coûté 2,50€. Non mais c'est ouf, 2,50€. Et après, à l'épicerie, on a acheté des céréales, du lait. Ah, du jus d'orange, du lait d'amande, une grande bouteille de limonade, de la mayonnaise, de la margarine, du chocolat. Les courses à l'épicerie, ça a fait 11€. Donc bah, c'est quand même beaucoup beaucoup moins cher que le Costa Rica. Putain, ça fait grave du bien. Et la vidéo que vous avez vue juste avant avec le chien, j'étais en train de parler avec
la fille, enfin en fait c'est un couple qui est juste à côté dans l'Airbnb. Ils viennent de Venezuela. Ils sont grave sympas. Et la fille, elle va aller vivre en Espagne. Du coup, on a pris contact, enfin on a pris nos contacts respectifs. Au cas où j'ai des bons plans pour elle, pour travailler ou quoi, pour l'aider quoi. Parce que du coup, elle quitte son pays pour pas pouvoir travailler et tout ça. Donc, bon voilà, tu vois, ce sera pays voisin quoi. Puis nous, on doit aller en Espagne normalement cette année. Donc, les petites news. Bon, je retourne dans mes comptes. Ça présage que du bon. À suivre. Bisous les fans.